mes Wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter des sagas en cours. Oh là là, c'est la cata. C'est la cata, mes Wapis. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à terminer mes sagas et c'est vraiment un des tics de lecteur que je prends, une mauvaise habitude en fait de lectrice que j'ai pris, c'est de commencer des sagas et de ne pas les terminer. J'ai toujours beaucoup de mal à me lancer dans un tome 2. C'est quelque chose que je n'arrive pas à. Voilà, j'arrive pas à passer au-dessus et j'ai toujours très peur d'être déçue d'un tome 2 et de poursuivre après et de me lancer dans des sagas à rallonge. J'adore et en même temps, je préfère, je pense, les one-shots, mais en attendant, j'ai plein de sagas génialissimes que j'adore et qu'il faut absolument que je continue. Donc voilà, cette vidéo a pour but de faire déjà un point hein, sur ces lectures et ces sagas entamées mais jamais terminées. Et donc justement, pour essayer de classer un petit peu moi les sagas que je veux poursuivre vraiment en objectif de 2021, mes sagas prioritaires à poursuivre et celles que je compte peut-être abandonner parce que commencer il y a trop longtemps et par manque d'intérêt tout simplement. Donc voilà, je vais faire comme ça le point, ça vous donnera peut-être aussi des idées et bien de lecture à commencer. Donc j'ai catégorisé le tout en roman, manga, BD et bien j'espère que ça vous plaira de voir à quel point c'est la cata pour tout le monde au niveau des sagas, hein. Il faut des on est tous au même pied d'égalité. Non bon, il y en a, c'est des warriors, ok, ils sont un jour dans toute la saga, mais c'est rare, c'est très rare, et moi je crois que je ne suis à jour dans une ou deux sagas. Voilà. Non mais je vous préviens d'avance. C'est parti. Let's go. Du coup, pour cette petite vidéo, je me suis fait des notes comme ça avec toutes mes sagas en cours et les tomes qui me restent à lire. Voilà, donc on va faire un état des lieux. Alors, pour commencer avec les romans, au final, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont énormément de sagas commencées, genre juste par exemple avec un tome 1. Et bon, j'ai quelques romans, effectivement, sagas, romans en cours, mais je trouve que ça va. C'est pas non plus catastrophique et c'est assez rattrapable. Donc, la première que j'ai entamée cette année d'ailleurs, donc c'est tout récent et que je compte bien poursuivre, il s'agit de la saga Avant Toi, voilà, qui est une saga donc de romance contemporaine. J'ai donc lu Avant Toi, c'est la saga emblématique de Jojo Moyes, je compte bien lire la suite. Il s'agit donc de deux tomes, donc il y a Après Toi et Après Nous, Avant Toi, Après Toi et Après Tout, un truc du genre. Hein, voilà, mais du coup, ben voilà, il me reste deux tomes à lire dans cette saga et je compte bien la poursuivre. J'ai adoré, adoré le premier tome, ça avait été un coup de cœur niveau romance. Donc voilà, j'avais adoré la plume de Jojo Moyes que je trouvais à la fois chaleureuse et confortable. Donc voilà, je vais la poursuivre, c'est sûr, il me reste deux tomes à lire. Ensuite, une saga que je me tâte vraiment de plus en plus à poursuivre, il s'agit de Grisha de Leigh Bardugo, donc qui est terminée en trois tomes. Après, je crois qu'il y a eu des romans alternatifs, dérivés de l'univers de Grisha à côté. Bon, le Grishaverse est assez étendu, mais en fait, c'est un livre que j'ai lu il y a, je crois maintenant, 3 ans. Et je n'ai toujours pas poursuivi. Alors, est-ce que c'est par manque d'intérêt croissant de la saga? J'avais apprécié vraiment beaucoup, en plus, ma lecture du premier tome à l'époque où je l'ai lu. Et en fait, pourquoi je me suis pas procuré depuis tout ce temps, en fait, les deux autres tomes? Je ne sais pas. Et plus j'y pense, moins j'ai d'intérêt pour cette saga. Donc je me pose vraiment vraiment beaucoup de questions sur cette saga là, est-ce que ça vaut le coup que je poursuive ou pas. En tout cas, mon intérêt décroît plus j'y pense, donc voilà, je suis pas sûre vraiment de continuer cette saga, ça va plus vers un abandon que la poursuite malheureusement. Grisha, il est vraiment comme ça quoi, il est vraiment très bancal, je me ferai du souci à sa place. Ensuite, Outlander de Diana Gabaldon, voilà, vous connaissez mon amour pour le tome 1 et j'ai lu que le tome 1, voilà, ça a été un énorme coup de cœur absolu, enfin j'adore les romances historiques, les romans historiques de base, j'aime tellement tellement, et là il y a en plus cette petite touche de fantastique. En fait, il y a tout ce que j'aime, de la romance assez poussée, intéressante, intelligente, voilà, et pas jeunesse, voilà, c'est de la romance adulte, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la romance young adulte, et du coup, là on a tout ce que j'aime de la romance mélangé avec le contexte historique que j'aime trop dans les romans, et la petite touche fantastique, enfin, c'est la perfection, donc voilà, sauf que c'est des énormes bricasses, et que comme je suis à fond aussi dans la série, je connais par cœur la série, que je l'ai regardée 4-5 fois en intégralité, c'est vous dire, et là je suis encore en train de me la faire,
Voilà, j'en suis à la saison 1, j'ai repris tranquillement le temps d'attendre la prochaine saison. En fait, dès que je la termine, je la recommence. C'est quelque chose. Et je l'ai même regardé en VO. Bon, bref, du coup, je connais très bien l'histoire qui est apparemment assez fidèle du roman. Donc voilà, je peine un petit peu à me remettre dans le rythme des romans. C'était vraiment une lecture trop agréable avec énormément de détails. Et bien sûr, sur l'Écosse, là, dans le tome 1, enfin, ça m'avait enchantée. J'aimais énormément, énormément. Donc bon, forcément, je la continue. Mais voilà, c'est des énormes bricasses. Il y en a combien? Il m'en reste 11 à lire. Parfait. Voilà, donc tous les tomes sont comme ça, et c'est vrai qu'on se lance dans un ouvrage de 1000 pages à chaque fois, donc c'est vrai que c'est pas prioritaire, mais d'un côté c'est une saga que j'aime, que j'ai trop envie de poursuivre, parce que je connais et parce que l'univers m'enchante au plus haut point. Donc voilà, j'irai vers elle à un moment donné, quand je serai prête, mais forcément, c'est pas pour de suite que je vais la poursuivre. Mais j'irai, forcément, c'était un énorme coup de cœur. Ensuite, une saga très récente que j'ai entamée il y a peu et que là, forcément, vous allez me dire, mais oui, tu vas la continuer, c'est Les Ferrailleurs de Édouard Carré. Il me reste donc 2 tomes à lire puisque j'ai découvert le tome 1, Le Château, ici, hein, là, durant le Pumpkin Autumn Challenge, donc en septembre, octobre, je sais plus quand je l'ai lu, en octobre, je crois. Ouais, c'était magnifique. Enfin voilà, là, on est dans un roman de fantasy jeunesse que j'ai adoré, adoré, hyper original, qui déborde d'inventivité et de bons personnages, enfin voilà, j'ai adoré et je compte bien lire la suite, donc c'est en 3 tomes terminés, donc voilà, il me reste 2 tomes, dont un que j'ai déjà dans ma pile à lire. Il faut que je me procure le tome 2 pour poursuivre avec le 3 après, donc ça c'est sûr. La saga de la passe-miroir, ça vous dit quelque chose? Non, parce que pareil, c'est une saga que j'ai lue il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. J'ai adoré le premier tome et j'en ai encore beaucoup de souvenirs, bien que ça fasse quand même assez longtemps. Et en fait, j'étais jamais allée vers la suite particulièrement, je me l'ai pas acheté de suite. Et c'est ça en fait, hein, mon gros défaut. À chaque fois, je me remets dans un autre livre que j'ai déjà dans ma pile à lire par exemple, et je m'achète pas la suite d'une saga de suite. Je fais jamais ça. C'est vraiment quelque chose que je ne fais jamais, à moins que vraiment. Voilà, c'est ce que j'ai pensé faire avec Les Ferrailleurs d'ailleurs, et je me suis trompée, j'ai pris le 3 parce que j'étais persuadée que c'était le 2. Bon, bref, mais du coup. Ça m'arrive très 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 rarement. Et La Passe-Miroir, j'ai donc attendu, 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 sans vraiment me procurer la suite, alors que j'adore l'univers, j'ai adoré le tome 1. Comparé avec d'autres personnes qui ont eu du mal à entrer dans l'histoire, les 150 premières pages, moi j'ai adoré dès le début cette ambiance qui est un petit peu très lente à se mettre en place, hein, le contexte qui est... Ouais, qui est assez poussif au début, mais moi j'ai adoré ça. C'est vraiment, j'ai presque préféré la première partie du roman à la seconde, pour vous dire. Je suis vraiment en désaccord total avec les avis généraux sur ce premier tome de la saga. Et du coup, j'ai trop aimé, et voilà. J'ai le tome 2 et le tome 3 du coup dans ma pile à lire. Le tome 2 va faire partie là, de mes lectures futures, donc je suis trop contente de me replonger là-dedans. J'ai trop trop hâte, vraiment. Ensuite, une saga dont je vous parle assez régulièrement, la saga Shade of Magic de V.E. Schwab. Et là, il me reste 1 tome. Après, j'ai vu qu'il y a d'autres livres qui sont sortis, Le Prince... du Londres blanc là. Bref, il y a une histoire aussi pareil, un petit peu alternative qui est sortie à côté, qui nous montre l'histoire d'un point de vue d'un autre personnage, il me semble. Mais bon, bref, ça fait pas partie de la saga de la trilogie. Donc il me reste 1 tome et je l'ai mis dans ma wishlist principale. C'est vraiment un tome là, un achat que je en ligne de mire, voyez. Il faut vraiment que je me le procure et j'ai hâte de terminer cette saga parce que depuis que j'ai terminé le tome 2, j'y pense régulièrement et j'ai vraiment hâte de connaître le fin mot de cette histoire que j'avais adorée depuis son tome 1, que j'ai commencé il y a belle lurette également, hein. Vous voyez, moi les sagas ça s'étale sur, si j'en lis 1 tome par an, c'est beau, voilà, j'ai hâte de la poursuivre, il me manque 1 tome, donc allez, pitié pour que 2021 soit la saga terminée pour Shade of Magic, j'espère. Ensuite, une autre saga que je veux absolument terminer rapidement en 2021. Il s'agit de Lady Helen, qui a été un énorme coup de cœur en 2020. Je vous l'avais dit, c'est vraiment aussi tout ce que j'adore, puisque là, on est dans de l'historique fantasy. Parfait, c'était magnifique, j'ai trop aimé l'héroïne, j'ai trop aimé l'ambiance, j'ai aimé les méchants, enfin ouais, les monstres, les créatures, j'ai aimé la magie mise en place, enfin j'ai tout aimé et ça m'a trop plu et j'ai extrêmement hâte de me plonger dans le tome 2 que j'ai en grand format. Et c'est ce qui a fait, je pense, que je me suis pas lancée dans le tome 2 cette année parce que franchement, c'est pas l'envie qui m'en manquait, mais bon, c'est vrai que c'est des livres qui ne décotent pas, qui sont assez onéreux et j'avais pas envie de m'acheter le 1, 2, 3 d'un coup en fait.
en grand format, et c'est vraiment une collection que je souhaite avoir en grand format. Donc voilà, c'est pour bientôt, vu que là j'ai le tome 2, je suis trop contente, je vais pouvoir poursuivre. Il me manque donc 2 tomes à lire et je serai à jour. Et également, il y a un hors-série qui est sorti avec le point de vue de Lord Calston, du coup j'ai trop trop hâte également. C'est pas vraiment dans la saga, mais ça fait partie de l'univers, donc forcément que je le lirai. J'ai hâte, si vous saviez. Ensuite, parlons d'une lecture qui m'a laissée en demi-teinte et que je n'ai pas complètement terminée, mais je vais quand même vous en parler puisque c'est une saga annoncée, même si le tome 2 n'est pas encore sorti. Il s'agit de La Gardienne du Chardon de Lauren Bélès. Donc c'est le premier tome, Les Voix de l'Emporum. Et voilà, en fait j'ai mis finir le premier tome, puisqu'en fait il me reste une centaine de pages. Et c'est dommage parce qu'au début j'accrochais bien et il y a eu tout un ventre mou au milieu où je trouvais que l'action était un petit peu confuse. On n'y comprenait pas grand chose et j'y trouvais pas d'intérêt en fait. Je me demandais mais quel est vraiment l'intérêt de cette histoire, et c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangée malgré le fait qu'il y ait plein de choses que j'ai adoré. J'ai trouvé que les personnages ils étaient très intéressants, assez gris, perturbés, avec des failles, avec des qualités, des défauts, et c'est vraiment des personnages que j'ai trouvé touchants, intéressants, mais il m'a manqué cette truc pour continuer et j'ai donc mis le livre en pause. Malgré tout, j'aimerais lui donner une seconde chance, essayer de le terminer pour avoir une finalité déjà du tome 1 et pourquoi pas donner la chance au tome 2 en fonction de mon avis définitif sur le tome 1 forcément. Donc voilà, c'est une saga qui est aussi instable, hein, je dirais, dans son avenir pour moi, puisque je sais pas du tout quoi en penser, et je verrai, mais je souhaite quand même lui donner une seconde chance, et tenter de terminer le tome 1. On est ici dans un univers de fantasy steampunk, donc c'est assez rare pour être souligné, c'est vrai qu'on a très peu ce genre qui est représenté, donc bon, voilà, j'ai envie quand même de poursuivre, mais on verra, c'est incertain. Ensuite, une série de science-fiction jeunesse young adulte, plutôt young adulte, Forget Tomorrow, que j'avais commencé en tout début d'année puisque j'avais eu dans le premier panier lecture, et voilà, et je n'ai pas lu le tome 2 alors que je l'ai dans ma palle. Je l'avais mis dans une pile à lire, je sais plus laquelle, et je l'ai pas continué. Donc voilà, c'est vraiment toujours cette peur du tome 2, j'ai vraiment quelque chose avec ça. Le tome 2 me terrorise, je sais pas pourquoi. Et bon voilà, du coup c'est une saga que j'avais beaucoup aimée, sans que ce soit un coup de cœur, que ce soit une lecture époustouflante. C'est une saga, un livre que j'avais lu comme ça, qui m'avait beaucoup diverti, et bon, j'ai hâte de savoir quand même la suite. C'était publié chez les éditions Lumen, et c'est donc de la fantasy, non plutôt science-fiction, hein, science-fiction un peu dystopie young adulte. Donc c'était plutôt cool, et puis je pense poursuivre, il me reste donc 2 tomes à lire, c'est une saga terminée en 3 tomes. Ensuite, ma petite série doudou fantasy animalière Viking Cats, qui m'a été envoyée généreusement par l'auteur David Quills. Donc moi j'avais lu le premier tome en physique, donc que j'ai dans ma bibliothèque, et j'avais trouvé ça adorable, plein d'inventivité, plein d'originalité, avec des personnages un petit peu doudou et à la fois assez forts et puissants. Voilà, donc des personnages qui sont des héros chats, donc voilà, enfin c'est vraiment une petite série que j'avais trouvée tellement cool, tellement originale, qui sort de l'ordinaire, qui se prend pas la tête et qui en même temps invente quelque chose d'assez chouette, je trouvais. Donc voilà, Viking Cat, une belle saga à faire découvrir notamment aux jeunes, je pense genre à des enfants d'une dizaine, 10-12 ans, je pense que c'est vraiment génial, parfait, même plus petit, mais voilà, c'est vraiment top, et moi je m'étais régalée, donc j'ai hâte en fait de poursuivre avec le second tome que j'ai reçu en format numérique et que je compte lire là durant la fin de l'année, donc je pense que je serai à jour d'ici fin 2020. C'est mon but en tout cas, mais voilà, 2 tomes parus actuellement et je suis quasi à jour, on va dire. Ensuite, ma lecture en cours, il s'agit de La Ville sans vent, donc je sais qu'il y a 2 tomes parus actuellement, donc forcément je ne serai pas à jour d'ici la fin de l'année, mais je compte poursuivre, en tout cas si je ne suis pas déçue du livre, mais pour le moment j'en suis à 130 pages à peu près, et j'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. L'ambiance est très agréable, je suis déjà assez attachée au personnage, donc pourquoi pas, si j'ai adoré le premier tome, bien me lancer dans le 2, enfin, ou même si j'ai aimé. Hein, tout simplement, je poursuivrai avec le tome 2, je pense. Donc voilà, là c'est encore jouable, c'est rattrapable. Je ne sais pas si ça sera qu'une duologie ou une trilogie ou plus, donc je ne sais pas, mais à voir, mais je pense poursuivre parce que pour le moment j'aime beaucoup, donc on verra. Ensuite, un livre auquel j'ai pensé vraiment au dernier moment avant de faire cette vidéo, je vous l'avoue, c'est Iliotte de Baptiste Piriou, que j'avais en plus assez aimé. C'est un livre de fantasy jeunesse, il y a beaucoup de fantasy jeunesse, mais que j'avais vraiment aimé sans
que pour autant mon intérêt pour le tome 2 soit vraiment hyper hyper fort. J'avais trouvé que la fin était un petit peu surprenante, ça nous laisse un petit suspense. Donc pourquoi pas découvrir le tome 2? C'est une saga que je compte poursuivre mais qui n'est pas du tout dans mes priorités, hein, pour être totalement sincère. Donc voilà, j'avais apprécié, mais c'est pas prioritaire. En tout cas pas pour le moment, 2 tomes parus, je crois que c'est une duologie, je crois pas qu'il prévoit d'en faire un 3e. Donc voilà, il me reste 1 tome à lire dans cette saga. Ensuite, les chroniques de Cain de Rick Riordan, donc qui est la première saga de Rick Riordan que j'ai commencée. Je ne sais pas du tout si je lirai les autres, en tout cas j'ai très envie, Magnus Chase notamment sur la mythologie nordique, ou Percy Jackson, l'emblématique que tout le monde connaît. Voilà, parce que en tout cas j'ai bien aimé la plume de Rick Riordan, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau de la mythologie, vraiment bien fouillé, avec plein de divinités qui sont mises en avant, des personnages un petit peu secondaires des mythologies également. Il y a beaucoup d'humour dans sa plume, je trouve que pour de la jeunesse avec l'abord mythologique, c'est génial. En tout cas, moi j'adhère, je sais qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas du tout à la plume de Rick Riordan, et bah, je pense que ça, bah, faut jauger et faut lire pour se faire une idée. En tout cas, moi ça m'a bien accroché, j'ai trouvé ça hyper fun à lire, et très intéressant en même temps, parce que bah, moi ce côté mythologique j'aime beaucoup, donc ouais, c'était cool, c'était fun. J'avais mis le tome 2 dans ma pile à lire du Pumpkin, mais c'est pas passé, enfin j'ai pas lu ce roman pour le Pumpkin, donc je l'ai également remis ici dans le Cold Winter, donc on verra, mais c'est une saga que je souhaite poursuivre malgré ses couvertures absolument dégueulasses, faut pas se le cacher, les couvertures anglaises sont tellement plus jolies sur cette saga. Donc voilà, je compte me poursuivre, il me reste donc 2 tomes à lire et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc voilà, c'est en cours, ça fait son chemin tranquillement. Ensuite, parlons d'une saga ici que je compte abandonner. Oui, abandonner, il s'agit de Akata Witch, que j'avais en plus gagné par l'intermédiaire de Alex Bookin en Prada et des éditions EDL Romans, du coup, par un concours Instagram. J'étais hyper contente parce que c'était vraiment un roman qui me faisait trop envie, et je suis contente d'avoir pu le découvrir par ce biais, mais malheureusement avec moi ça l'a pas trop fait. Donc je vous parle de Akata Witch de, j'arrive pas à son nom, de Nnedi Okorafor, voilà, qui est un livre également de fantasy, jeunesse. Et pourtant ça partait d'une idée très intéressante avec une héroïne forte qui est en plus albinos, donc quelque chose qu'on ne voit jamais. C'est vrai que ça représente une minorité que l'on voit très rarement dans les romans, et j'avais trouvé ça très intéressant. Il y avait des choses que j'ai aimées, mais de manière générale, j'ai pas accroché, je me suis pas attachée au personnage malheureusement. Et tout cet aspect magique tiré de la culture africaine qui pourtant m'intéresse beaucoup, qui ne m'a pas plu du tout. En fait, je me représentais pas du tout la chose, mais vraiment pas, je trouvais ça pas du tout visuel et j'ai eu du mal à accrocher. C'est vraiment un roman que j'ai mis du temps à lire parce que j'avais du mal à me représenter l'univers, la magie, comment ça fonctionnait et tout. Et du coup, c'est une parution récente, le tome 2 il me semble, puisqu'il est sorti en novembre 2020. Il s'agit de Akata Warrior, pour ceux que ça intéresse, je vous le mets ici, mais c'est vrai que je pense que je vais abandonner cette saga parce que j'ai aucun intérêt là pour lire la suite, donc voilà, tant pis, mais bon, c'est comme ça, hein, ça peut pas plaire à tout le monde. Et enfin, est-ce que c'est nécessaire que je vous dise que la saga que je compte poursuivre mais que j'attends avec impatience, genre c'est le livre que j'attends le plus, c'est Anne de Green Gables, forcément, de Lucy Maud Montgomery, qui a été republiée dans une nouvelle traduction chez Toussaint Louverture, donc voilà, que je vais relire, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, dans des vlogs, dans plein de vidéos en fait, je vous l'ai dit que je compte faire une relecture en janvier de Anne de Green Gables, donc dans sa nouvelle traduction. Voilà, c'est mon roman d'amour préféré, c'est un roman jeunesse, c'est une histoire intemporelle qui m'a émue comme aucun livre ne m'a émue, donc j'attends Anne d'Avonlea, le tome 2, avec impatience, impatience qui paraîtra, avec un petit peu de retard il me semble, chez Toussaint Louverture, toujours en février. Donc je pense que ça sera fin février avec le retard qu'ils ont mentionné. Mais qu'est-ce que j'ai hâte, qu'est-ce que j'ai hâte. Donc forcément, j'ai qu'une envie et qu'une hâte, c'est que toute la saga de Anne sorte chez Toussaint Louverture. J'espère que c'est l'idée qu'ils ont, et du coup il y a combien de tomes en tout? Il y a 7 tomes de la saga Anne, donc voilà, j'ai tellement hâte de découvrir la suite et de me replonger dans cette ambiance que j'aime tant. Voilà, donc ça c'était la petite saga, forcément obligée. Allez, et là on passe au gros, au violent, les sagas manga. Bon, je suis sûre, hein, je le sais, on en a tous
plein en chantier. Voilà, elles sont là. Il y en a, on a lu qu'un tome. Il y en a, on a lu six. Y en a, enfin, c'est les mangas, c'est vraiment quelque chose. Quand on se lance dedans, c'est vrai qu'après, on a du mal à savoir où on en est, qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on n'a pas lu. Et de faire un petit peu aussi des mangas prioritaires parce que pas toutes les sagas ne nous enchantent au même titre. Et c'est vrai que c'est assez difficile, je trouve, d'établir un petit peu un ordre de priorité pour s'y retrouver et se dire allez, cette saga m'a vraiment vraiment plu, c'est celle-ci que je veux vraiment poursuivre ici en 2021. Ça, c'est pas évident, je trouve, donc c'est ce que j'ai essayé de faire là et j'espère que vous allez un petit peu m'aider également en commentaire pour jauger tout ça. Donc, la première, Aria de Masterpiece, forcément, ça a été un énorme coup de cœur, le tome 1. Donc, on est sur une saga de Kozue Amano. C'est génial, j'ai lu donc le premier tome, j'ai le deuxième tome dans ma pile à lire et il me reste en tout donc 4 tomes à lire, donc dont un que j'ai dans ma pile à lire. Ça devrait être fait je pense en 2021, je pense que à l'occasion d'un truc quoi, je ne sais pas, je m'achèterai les derniers tomes que je n'ai pas. Et puis comme ça, je pense que la saga elle va être terminée bientôt. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a plus qu'un livre à paraître pour que la saga soit terminée. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que mes infos, c'était ça. On verra, mais forcément, 4 tomes à lire, il me semble. En tout cas, pour ce qui est paru maintenant, pour moi. Ensuite, Blue Flag de Keito. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé le tome 1. Donc là, pareil, j'en fais une saga prioritaire pour l'année 2021. J'ai d'ailleurs commandé les autres tomes à Noël. Donc là, il me reste 6 tomes à lire, puisque je n'ai lu que le tome 1. Et donc, je suis trop impatiente de découvrir la suite. J'en fais vraiment une priorité pour le début d'année 2021. Ensuite, une saga que j'ai adorée cette année, que j'ai découvert, oui, également cette année. Il s'agit de Ansem de Cuvy. J'ai lu les deux premiers tomes et là, on est sur une saga assez longue. En effet, il me reste 13 tomes à lire. 13! Ouais, c'est quelque chose. Donc bon, ça sera pas fini dans l'année, c'est sûr, hein, à moins que je trouve un mégalo d'occasion, que je puisse me les dévorer à la suite. Ou peut-être en bibliothèque, hein, parce que j'ai pas encore fait un tour en bibliothèque là en cette fin d'année. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas, faudrait voir. Ok, Moon, elle vient de tout casser. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bon, je vous disais donc que c'est voilà 13 tomes à lire, donc en tout cas j'avais adoré cette saga, je compte bien la poursuivre, j'aime trop. Moon, non mais là c'est une blague. Non, non, ça tu l'as déjà fait. Et oh mon dieu. On poursuit avec une série que je compte abandonner de manga. Et oui, il s'agit de Roji, de Kozuke Ketobuki, donc, et qui est en 10 tomes, donc 10 tomes à lire. Et Moon, ça va pas être possible en fait. Elle a décidé de vouloir faire des bêtises dans cette vidéo, je sais pas pourquoi. Je vais lui ouvrir la fenêtre, c'est peut-être une bonne idée. Moon, tu veux sortir? Ça pourrait être cool, non? Voilà, comme ça maintenant je vais me peler le fion, voilà. Génial, donc Roji, je compte l'abandonner parce qu'il y a 10 tomes, donc j'aurai 10 tomes à lire puisque c'est une saga terminée en 11 tomes. Et franchement, j'ai pas du tout été convaincue par le tome 1. Alors malheureusement, il y a tellement de sagas manga qui me font envie, tellement de sagas qui sortent tout le temps de nouvelles envies qui s'ajoutent et des sagas en cours que j'aime énormément, tellement de sagas que je compte découvrir, que j'ai pas envie de me prendre la tête avec une saga qui m'a pas énormément plu. C'est dommage parce que j'en attendais beaucoup en fait de cette petite saga, mais ça m'a pas convaincue du tout, donc je pense que je vais l'abandonner. Ensuite on a Orange de Ichigo Takano, que forcément je vais poursuivre, pareil je les ai commandés à Noël pour la suite. Il me reste 5 tomes à lire, c'est une saga terminée, voilà, j'ai trop hâte, ça m'a trop plu. Voilà, c'est une saga terminée, moi il me reste 5 tomes à lire et j'ai trop hâte de poursuivre. Donc forcément, celle-ci, ça sera fait en 2021. Ensuite, une autre saga que j'abandonne, tiens j'y pense, je l'ai même pas marqué sur mon truc ici, mais c'est Dodoma, donc je peux pas vous donner l'auteur parce que je retiens pas. Non, parce que les noms japonais, j'ai du mal, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai énormément de mal et je ne retiens absolument rien. Même les noms des personnages dans les mangas, je ne retiens pas, alors que pourtant, j'ai beaucoup de facilité à retenir les noms de manière générale, les prénoms, les noms. Mais là, je n'y arrive pas dans les mangas, c'est tellement... Il y en a partout et c'est souvent les mêmes en plus qui reviennent et du coup, je confonds tout. Bon, bref. Du coup, Dodoma... Je ne me rappelle plus l'auteur, mais je compte l'abandonner. Je crois que c'est une saga terminée en 3 tomes. C'est chez Komiku ou chez Kiyun, je ne sais plus. Un des deux, mais voilà. Je vais l'abandonner parce que ça n'a même pas du tout plu. J'avais trouvé ça très décevant. Ensuite, une saga où je suis... à jour ! Oui, mon
Dieu, c'est la seule saga manga où je suis à jour, je crois. Il s'agit de Somalie et l'esprit de la forêt, qui est une des premières sagas dans laquelle je me suis lancée quand j'ai recommencé le manga et que j'aime d'amour. Je pense qu'à ce jour, c'est toujours ma petite saga cocoon préférée qui m'enchante le plus, même au niveau du dessin. Enfin, j'aime beaucoup trop, donc c'est de Hayako Guraishi. Et il me reste aucun tome à lire du coup, puisqu'il y a 6 tomes parus à ce jour et j'ai lu les 6. Et c'est un énorme coup de cœur, donc je suis à jour. Je vous invite à y aller si vous ne l'avez toujours pas commencé. Forcément, vous allez aimer, c'est juste magique, c'est cocoon, c'est beau, c'est fantasy, j'aime trop. Ensuite, une saga que j'adore et que là, je mets un point prioritaire sur cette saga manga, parce que franchement, je sais pas ce que j'attends depuis tout ce temps, il s'agit de Green Mécanique. C'est une saga de Yami Shin et il me reste 3 tomes à lire pour le moment. Alors, elle est pas terminée, mais d'un côté, ça fait énormément de temps que il n'y a pas de nouvelle parution, donc je sais pas trop ce qui se passe avec cette saga, mais j'adore, c'est vraiment une saga science-fiction, post-apo, SF, enfin voilà, j'avais trop kiffé avec des histoires de mecha, de mecha. Enfin, il y a des mechas dans l'histoire, il y a une héroïne qui est hyper empathique, enfin, il y avait vraiment de bonnes idées, j'avais trop aimé, et j'aimais le style graphique également. Bref, je sais pas ce que j'ai attendu pour me procurer la suite, en fait, à chaque fois c'était sur ma wishlist, j'en ai en favori dans Vinted, et je passe pas le pas. Donc franchement, je mets une étiquette prioritaire pour cette saga, parce que j'avais trop kiffé, et il me reste donc 3 tomes à lire. Ensuite, une saga dans laquelle je me suis lancée cette année, waouh, ça pique, ça fait très mal, parce que j'ai 27 tomes à lire. Oui, il s'agit de Black Butler, en plus j'ai adoré, voilà, c'est ballot, mais j'ai adoré Black Butler, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, c'est gothique à souhait, c'est très prenant, c'est palpitant, il y a beaucoup d'action, il y a de l'humour, enfin c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, les personnages sont énormes et diaboliques, donc c'est top, mais 27 tomes à lire, qui fait ça? Ensuite, une saga que j'ai commencé il y a longtemps, puisque c'est une des premières sagas dans laquelle je me suis lancée quand j'ai recommencé le manga, donc ça fait quand même un petit moment maintenant, Your Name, mais depuis j'ai vu le film, alors je me demande si c'est intéressant de retourner vers le manga après avoir vu le film. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai lu le premier tome, donc c'est une saga terminée en 3 tomes, c'est une trilogie. Il me reste 2 tomes, mais étant donné que j'ai vu le film, que j'ai adoré, que j'ai versé ma larme, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, dites-moi, mais d'un côté j'aimerais bien les avoir dans ma bibliothèque et avoir mes références à cette œuvre-ci que je trouve trop cool. C'est donc l'œuvre de Makoto Shinkai et je suis perplexe. Donc dites-moi vraiment si ça vaut le coup, parce que ça m'avait plu, hein, le tome 1, forcément. Je me rappelle qu'à la lecture, je n'étais pas aussi enchantée que tout ce qu'on m'avait dit de bien sur cette saga. J'avais trouvé ça cool et en même temps, je trouvais ça un petit peu flou, ce qui est beaucoup moins flou dans le film d'animation, parce qu'on comprend très bien, bien l'échange entre les deux corps et tout. Et là, dans le manga, j'avais eu un petit peu de mal. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? Dites-moi, pour ceux qui ont vu le film d'animation, qui ont lu les mangas, est-ce que ça vaut le coup que je me procure les deux prochains? Je ne sais pas. Ensuite, une petite saga trop mignonne, trop coucoune, que j'ai commencé cette année et que je compte bien poursuivre, il s'agit de La Petite Faiseuse de Livres, de Suzuka et Kazuki. Franchement, c'est tout doux, c'est trop mignon, on parle de livres, on a des héroïnes, mais à tomber, c'est cute quoi. Il y a plein de choses qui sont mises en valeur dans ce manga là, donc j'ai lu que un tome, donc il me reste je crois, combien, 4 ou 5 4, donc parce qu'il y a 5 tomes parus actuellement, donc il me reste 4 tomes, et puis bah, je compte bien rattraper mon retard durant l'année 2021, donc je pense que ça, je vais la poursuivre assez rapidement. Une autre saga à jour pour le moment, puisque 3 tomes parus, Beyond the Cloud de Nick, j'ai trop aimé Beyond the Cloud, niveau graphique, c'est un de mes mangas préférés, niveau graphique, je trouvais ça tellement beau, c'est exquis. C'est absolument tout ce que j'aime, donc clairement si vous ne connaissez pas, foncez, juste pour le niveau illustration c'est magnifique, après l'histoire est douce et belle et inventive, mais c'est pas ce que j'ai préféré non plus, mais le mélange des deux, de l'histoire, de l'ambiance, des illustrations, donc du graphisme pur du manga, c'est que c'est magnifique et que ça m'a enchanté. Donc voilà, je suis à jour Beyond the Cloud. Pareil, c'est pas terminé apparemment, mais je sais pas trop ce qui se passe. Faudrait que je me renseigne, donc trop bien. Ensuite, une saga que je suis quasiment à jour, puisque j'ai le tome 6 dans ma pile à lire et que je vais acheter le tome 7, je l'ai commandé à Noël, mais si je l'ai pas, je vais l'acheter. L'Atelier des Sorciers de Kamone Shirahama, voilà.
on ne le présente plus. J'adore l'Atelier des sorciers. Et j'attends de voir donc les fêtes de Noël si j'ai le 7 pour m'enchaîner 6-7. Et si je ne l'ai pas, ben, je me l'achèterai pour m'enchaîner 6-7. Voilà, donc ben, ça, on peut dire que je suis quasiment à jour puisque je suis dedans. J'ai suivi toutes les parutions assez régulièrement. Donc voilà, on en prend un petit point. Pas fini, hein, non mais... Voilà, hein, j'espère que vous avez un de quoi grignoter durant cette vidéo parce que... Une saga pareille que je mets comme l'Atelier des sorciers, je suis quasiment au jour puisque c'est ma saga d'amour avec Somali et l'Esprit de la Forêt, L'Enfant et le Maudit de Nagabé que j'aime énormément. Il me reste 2 tomes à lire puisque si vous avez suivi mes aventures dans mon dernier vlog, je me suis procuré le tome 9 étant certaine, mais avec une conviction, mais de la mort, d'avoir lu le tome 8, sauf que je ne l'ai même pas dans ma bibliothèque. Bref, ça a été la déception, et en même temps, je suis contente, comme ça je me dis je pourrais m'enchaîner 2 tomes, donc pareil, il faut que je me procure le tome 8, et j'ai le tome 9, donc en fait j'étais persuadée d'être à jour, si vous voulez, en achetant le dernier tome paru là, vraiment, il est paru tout début décembre, je crois, ou toute fin novembre, bref, c'est vraiment très récent, et bah, j'étais persuadée d'être à jour, sauf que non, mais c'est comme si. Hein, c'était ma saga d'amour. Ensuite, une saga que j'ai commencée cette année et que j'ai adorée, je vous en ai parlé, j'en ai même fait un post Instagram et tout. Il s'agit de Hajin. C'est de Gamon Sakurai et c'est génialissime, c'est plein de rebondissements, ça va à 1000 à l'heure, il y a un rythme de fou. J'avais trop aimé Hajin, c'est aussi un petit peu post-apo, gothique, démoniaque et... je dirais pas effrayant, mais ouais, un peu épouvante quand même. Et franchement, j'avais adoré. Donc là, il me reste 14 tomes à lire. Je crois que c'est toujours en cours. Donc bon, c'est une grosse saga, Hajin. Mais franchement, j'ai hâte de la poursuivre. Et ça m'a trop plu. J'ai donc le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire. Et j'ai trop hâte. Ensuite, une saga qui se dirige lentement et sûrement vers un abandon. Il s'agit de Twinkle Star de Natsuki Takaya. Malheureusement, ça l'a pas trop fait avec moi. C'est un shoujo... sous fond d'astronomie, tout ça, mais ça partait bien pour me plaire, et apparemment il faudrait que je poursuive, parce que certains de vos avis sont cool dessus, mais franchement je suis pas sûre d'avoir envie d'investir de l'énergie dans cette saga, sachant voilà tout ce qui me plaît à côté, je suis pas sûre, hein. Peut-être que si je tombe dessus en bibliothèque, ouais, en brocante et tout, pourquoi pas, mais franchement j'en fais pas du tout une priorité, je me tâte à l'abandonner. Il me reste 9 tomes à lire quand même, donc voilà, j'ai lu les 2 premiers, ça m'a vraiment pas convaincue, donc il me resterait 9 tomes à lire. Ça se dirige vers un abandon. Une saga pour laquelle je mets la petite étiquette prioritaire ici également, Après la pluie. Je sais même pas si je vous en avais parlé, ça remonte à un certain moment maintenant. Enfin, je l'avais eu dans un panier lecture, mais dans un des tout premiers, et j'avais trop aimé. On est ici sur une romance adulte, enfin, avec des personnages qui ont une grosse différence d'âge en fait. Et je trouve ça très mature, c'était très bien tourné, j'avais aimé la sensibilité des personnages, et franchement j'ai hâte de lire la suite. Je sais pas pourquoi je me suis pas procuré le tome 2 plus vite, parce que j'avais trop aimé. C'est une saga de John Mayuzuki, et il me resterait donc 9 tomes à lire. À voir, mais franchement, je sais pas si je me ferai les 9 tomes en 2021, c'est ce que je veux dire, mais je compte la poursuivre, c'est sûr. Nana! Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, Nana, quoi, la série emblématique, la série d'amour pour plein de gens. J'ai commencé cette année avec le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Voilà, après ce qui me rebute un peu, c'est que c'est vraiment une saga très longue. Nana aussi, c'est 20 tomes qui me resteraient à lire, plus des hors-séries. Maintenant j'ai aimé, mais je pense que c'est une série que je poursuivrai tranquillement à mon rythme. Peut-être au rythme de, je sais pas, 2-3 tomes par an. Aucune idée, j'en fais pas une priorité absolue parce que j'ai adoré, mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur. Donc voilà, pour le tome 1, après c'est toujours très introductif, un tome 1, un manga, vous me direz c'est difficile d'avoir un coup de cœur sur le tome 1, mais bon, ça a bien été le cas pour Blue Flag ou pour Somali, pour L'Enfant et le Maudit. Voilà, donc là, ça n'a pas été vraiment, mais j'ai adoré. Je compte poursuivre, mais ça sera tout doux et à mon rythme. Petite saga très récente, Alpi, Soul Thunder. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, il y a 2 tomes parus actuellement, donc je suis en phase d'être à jour. Je pense que c'est une petite saga que je vais bien aimer, en tout cas c'est bien parti pour. J'apprécie vraiment ma lecture du tome 1 et je vais lire le tome 2 tout prochainement. Je suis quasiment à jour, on m'octroie un point. Une saga que j'ai mis en pause depuis un bon moment, mais que j'adorais pourtant, il s'agit des Enfants de la Baleine, c'était top. C'est de Abi Umeda et il me resterait 17 tomes à lire. Non, pas 17, juste n'importe quoi, 12. 12, c'est beaucoup aussi. C'est une saga qui a été adaptée en anime, que vous pouvez retrouver sur Netflix.
J'avais commencé et vu que j'avais préféré le manga, je m'étais dit ben je poursuivrai en manga et je regarderai l'anime quand j'aurai terminé. Mais sauf que j'ai 12 tomes à lire, voilà, j'en ai lu que 3. Et ça m'a beaucoup plu, je trouve que c'est un univers hyper onirique, hyper enchanteur et à la fois très dur, très violent. Enfin j'avais adoré, franchement les personnages sont cool et c'est top. Mais 12 tomes à lire, enfin faudrait que je me les procure. À voir. Une saga qui part lentement vers l'abandon aussi, ou bibliothèque, enfin voilà, pas en achat en tout cas. Pandora Hearts, voilà, que j'ai découvert cette année, et malgré tous vos bons retours sur cette saga en me disant de poursuivre et tout, franchement, bah, comme je vous dis, il y a tellement de choses qui me font envie, tellement de sagas que j'aime et que j'ai envie de poursuivre, et d'autres que j'ai envie de commencer, que j'ai pas envie de me prendre la tête avec une saga à laquelle j'accroche pas. J'ai lu 2 tomes et franchement j'accroche pas du tout, du tout, du tout. Donc Pandora Hearts de Jen Mochizuki aussi également. Ah Mochizuki, c'était celui qui avait fait quoi? On l'a pas déjà vu Mochizuki? Ah vous voyez, je comprends plus rien moi avec ces noms, hein. Incroyable. Bon en bref, et du coup il me resterait 22 tomes à lire plus des hors-séries. Est-ce que j'ai la foi d'aller sur une longue série comme ça alors que les 2 tomes ne m'ont pas plu? Je suis pas sûre. Ensuite, une petite saga adorable que j'avais commencé, enfin adorable. C'était violent quand même, j'avais trouvé ça assez fort. C'est Silent Voice, et c'était waouh. Mais en attendant, c'est une saga terminée, c'est une saga de Yoshitoki Ohima. Et il me resterait 6 tomes à lire, j'en avais lu que le premier. Et j'avais adoré, et en même temps j'avais trouvé le personnage masculin détestable, il m'avait repoussé au plus haut point. Je pense que c'est vraiment le but aussi, hein, parce que apparemment... Il commence à se calmer dans les futurs tomes, mais du coup j'ai hâte de découvrir le reste de cette saga et en même temps je me dis est-ce que je saurais pas aller plus tôt vers elle si vraiment elle m'intéressait. Mais bon, ça vaut le coup quand même je pense, donc j'attends de voir, mais c'était sympa, hein. Silent Voice. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, petite série également que je suis pas sûre de continuer ou jamais pas du tout en priorité. Pareil, bibliothèque... Voilà, petit achat si jamais je la trouve vraiment à faible coût. Global Garden de Saki Iwatari. Il me resterait 5 tomes à lire, j'en ai lu 3. Voilà, c'était vraiment sympa, original également, très original, avec des éléments véridiques, donc empreints de la réalité, avec Einstein, avec Hiroshima, la bombe et tout. Enfin, c'était vraiment très intéressant, assez complexe au niveau de l'histoire, intelligent, mature. Et en même temps, empreint du rêve, j'avais bien aimé, franchement j'ai bien aimé, je me la suis lue cet été. Et donc les 3 premiers tomes, j'ai bien aimé, mais voilà, est-ce que j'ai un intérêt vraiment fort 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 pour continuer, je suis pas sûre. Et enfin la dernière saga manga que je vous propose ici, Le Couvent des Damnés, donc c'est la saga que je suis en train de commencer en ce moment, c'est-à-dire que j'avais lu le premier tome il y a quelques années, je dirais 2 ans, et j'avais trop 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 aimé, et je m'étais pas procuré la suite, et c'est que dans mon voyage cette année... Je crois que c'était en février, oui, parce qu'il n'y avait pas encore cette histoire de Covid, donc c'était en tout début d'année, je m'étais procuré la suite chez AFK Manga à Nice, donc le tome 2 et le tome 3, donc je suis actuellement en train de lire le tome 2, j'enchaîne avec le tome 3 et je pense que je poursuivrai, j'adore cette saga, elle a une cruauté mais infernale, c'est horrible, c'est une saga qui est publiée chez Glénat, c'est fort, franchement c'est violent, je la recommande vraiment pas aux plus jeunes ou même... Si vous n'aimez pas les choses gore ou fortes en fait, même la torture, enfin voilà, c'est violent. C'est violent et ça n'épargne rien, donc, mais j'aime beaucoup, c'est très puissant. Donc ben, pourquoi pas continuer sur ma lancée par la suite. Bien sûr, je ne vous parle pas des mangas que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai pas encore débuté. Hein. Je prends en compte que le fait qu'en cours, pour moi, ça veut dire débuter. Hein. Donc voilà, si j'ai le premier tome dans ma pile à lire, je ne l'ai pas encore commencé. Je vais peut-être le commencer demain, comme le commencer dans plusieurs mois, donc je ne peux pas savoir. En tout cas, pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce n'est pas en cours. Allez, enfin, on termine cette vidéo avec très peu de... saga en cours BD, vous allez le voir. Donc c'est parti, j'ouvre la case BD avec une duologie qu'il faut absolument que je termine, que j'avais adoré. J'avais eu le premier tome dans le deuxième panier lecture, je sais plus. Je sais plus, le même où il y avait eu Après la pluie d'ailleurs, il me semble. Abélard de Régis Autière et Renaud Diliès. J'avais trop aimé le premier, il était hyper hyper cool. Il était plein d'humour et en même temps hyper mature malgré des dessins enfantins mais qui... tellement beau, enfin il y avait vraiment des propos percutants dans cette BD, j'avais trop 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 aimé, et donc il faut que je lise le tome 2 puisque c'est une petite duologie, voilà. Ensuite une saga où je ne suis pas à jour en BD, il s'agit de Nine, j'ai lu et découvert le premier tome, donc c'est de Joanne Pillier et Jean-Michel Darlot,
C'est super beau, l'univers graphique est magnifique, l'histoire est hyper cool, ça part d'un postulat hyper intéressant et d'un lieu atypique, puisque franchement, une histoire qui se passe dans le métro, ça vend pas du rêve, et pour autant, c'est génial, c'est plein de couleurs, malgré le fait justement que ça se passe dans un univers assez terne. J'ai adoré et il me reste 3 tomes à lire. Ensuite, une saga que j'aime beaucoup, mais qui pareil... Il y a beaucoup de tomes à lire et c'est Le Château des Étoiles. C'est une saga de Alex Alice et c'est un univers graphique qui est incomparable avec des crayonnés aquarelles. C'est sublime. J'adore cette BD. J'ai lu les 2 premiers tomes, mais pareil, chaque tome coûte 18 euros ou 19 euros, je crois. C'est assez difficile à acquérir et surtout qu'il me reste 14 tomes à lire. Donc, ouais. C'est une saga que je poursuis, mais pareil, tranquillement, à mon rythme, de temps en temps, quand je peux m'offrir ou qu'on m'offre un tome. Mais c'est vrai que c'est pas une priorité. J'adore et je trouve que l'univers est dingue, mais. C'est pas une priorité. Ensuite, je vous parle de Luna de Chris et Kiranidas, qui est donc une saga pour moi très récente, puisque j'ai commencé le tome 1 pour le Pumpkin à la toute fin du Pumpkin Autumn Challenge. C'était ma dernière lecture durant la pleine lune. Du coup, il me reste 8 tomes à lire, dont le tome 2 et le tome 3 qui sont dans ma pile à lire. Donc voilà, j'ai lu le tome 1, je vous dis là, très récemment, donc je vais poursuivre. Et puis on verra, le tome 1 a été mitigé, ça n'a pas vraiment été, je dirais que c'est moyen quoi. Voilà, donc à voir, j'ai pas adhéré à l'humour de la BD, mais je vais poursuivre déjà avec les tomes que j'ai dans ma pile à lire, et puis je verrai si je poursuis. Ensuite, une saga que j'aime beaucoup, il me reste un tome à lire, il s'agit de Terre de Rodolphe et Dubois. C'est hyper intéressant, c'est de la science-fiction avec un personnage qui a oublié son origine, qui il était, qui a été retrouvé nu à proximité de fouilles archéologiques, enfin d'un site de fouilles. C'est top, franchement l'histoire est très prenante, les dessins sont particuliers, c'est pas ce que je préfère, mais en même temps c'est cette patte qui fait que j'accroche à l'univers également et qui va bien avec le propos. Et j'aime beaucoup, donc il y a 3 tomes parus et il me reste donc un tome à lire, j'ai les 2 autres dans ma bibliothèque et j'adore. Et enfin, je termine cette vidéo avec la petite saga BD chouchou que je vous présente souvent, Aubépine, et que je peux dire que je suis quasiment à jour puisque j'ai le dernier tome paru dans ma pile à lire, je vais le lire là, incessamment sous peu, donc voilà, je peux dire que je suis à jour dans cette saga puisque je l'ai et que c'est prévu. Je ne sais pas du coup ce qu'il en est pour la suite, je me suis pas renseignée sur si un tome 5 là est prévu... pour prochainement. Il faut que je regarde ça quand même. Et voilà, bah c'est une petite saga chouchou, hein. Je vous en parle assez souvent. Je pense que je vous saoule avec ça, mais voilà, c'est du jeunesse qui fait énormément de bien. Et voilà. Et bien voilà, mes wapis, c'est terminé pour cette très longue vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir un petit peu, déjà que vous n'êtes pas seul à galérer avec vos sagas, et puis peut-être que vous aurez pu piocher des idées lecture par-ci par-là qui vous intéressent et qui vous motivent pour commencer telle ou telle saga pour 2021, pourquoi pas. En tout cas, j'aurais ravi de l'apprendre, donc dites-moi ça en commentaire. En tout cas, si vous avez des sagas, mais genre chouchou, donc vos sagas de l'amour, quoi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Franchement, je lis toujours vos commentaires et je prends un plaisir fou à y répondre. Donc franchement, s'il vous plaît, n'hésitez pas, cet encart est fait pour vous, pour qu'on échange et ça me ferait trop plaisir. Donc mettez-moi en commentaire, balancez-moi vos sagas d'amour et puis je verrai, je pourrais peut-être piocher... comme ceci, et bien des sagas à commencer en 2021. Comme si j'en avais pas assez à poursuivre. Hein ? Non mais on est tous pareils. Je vous fais à tous de gros bisous. Surtout, vous n'oubliez pas de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge, alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde !